Ah, ouais, ouais, ouais. Super. Ah, rose, jaune, bleu. Je m'en fous. Continue à m'apporter ça. Walter and Jesse have set up a deal with a dangerous drug lord. The deal doesn't go as planned, but not in the way that you'd expect. Keep watching to find out what happens and to learn lots of useful French vocabulary and slang. Ah, ouais, ouais, ouais. Super. Ah, rose, jaune, bleu. Je m'en fous. Continue à m'apporter ça. Ah. Vas-y, allez, vas-y. Qu'est-ce que je disais? Ce mec, c'est un vrai cuistot. C'est cool. Toi aussi, t'es cool. Et on va se faire des masses de pognon, tous les deux. Mais oublie pas pour qui tu travailles. Qu'est-ce que t'as dit? Je lui ai juste dit de pas oublier qu'il travaille pour toi. Tu crois pas qu'ils le savent déjà? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Que ce sont des pauvres cons? Non, j'ai pas dit ça. Ok, alors t'as pas dit que ce sont des pauvres cons. Mais alors je comprends pas, donc tu dis que c'est moi le pauvre con. Non, Toko, je dis juste... Non, t'es en train de parler à ma place! Comme si j'étais qu'un pauvre con et que je pouvais pas parler moi-même! C'est ça? C'est ça que tu fais? Ah, ouais, ouais, ouais. Super. Ah, rose, jaune, bleu. Je m'en fous. Continue à m'apporter ça. Rouge, jaune, bleu. Je m'en fous. Continue à m'apporter ça. Je m'en fous is a super common French expression, but it is somewhat vulgar. The meaning is somewhere between I don't care and I don't give a. A more polite alternative would be je m'en fiche. Ah, ouais, 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 super. Ah, rose, jaune, bleu, je m'en fous, continue à m'apporter ça. Ah. It's important to remember that in French, you use a comma instead of a period as a decimal point. So, 2,3, literally 2,3 would be 2.3 in English. And because the French use commas as a decimal point, they can't use them to separate thousands, like we do. So they just use a space, like this. 2,3. Allez, vas-y. Qu'est-ce que je disais? Ce mec, c'est un vrai cuistot! Ce mec, c'est un vrai cuistot. Un mec is a common slang word that means a guy or a dude. For example, c'est qui ce mec? Who is this guy? Un cuistot is a slang word for a cook. It's a shortened form of un cuisinier. Usually, un cuistot would be cooking food. But obviously, in this case, Walter White is cooking something a little different. Qu'est-ce que je disais? Ce mec, c'est un vrai cuistot! C'est cool! Toi aussi, t'es cool. Et on va se faire des masses de pognon, tous les deux. C'est cool. Toi aussi, t'es cool. Et on va se faire des masses de pognon tous les deux. Des masses de means tons of, or loads of something. For example, you could say, il y a des masses d'informations sur Wikipédia. There's loads of information on Wikipedia. But in this case, Tuco is saying that they're going to make des masses de pognon. Du pognon means dough, in the sense of bread. But not that kind of bread. This kind of bread. So, des masses de pognon means tons of dough, or tons of money. Learning fun slang expressions like des masses de pognon is one of the reasons I think watching TV shows and movies is such a great way to learn French. Textbooks and basic language learning apps are a good way to get started, but at a certain point, you need to transition to content that's designed for native speakers, because that's how you learn to speak French like a native. And this is how FluentU teaches French. On FluentU, you learn by watching videos, like movie scenes, or TED Talks, or music videos. So, you learn French the way it's actually spoken. And unlike watching videos on YouTube or Netflix, all the videos on FluentU have interactive subtitles,
So if you're not familiar with the word, you can just click on it and instantly see the definition. You can also use flashcards and personalized quizzes to help you lock in everything you're learning. If you click on the link in the description below this video, you can try it out for free for 2 weeks. Plus, FluentU is currently having a sale, so this is a great time to check it out. C'est cool! Toi aussi t'es cool! Et on va se faire des masses de pognon tous les deux! Mais oublie pas pour qui tu travailles! Mais oublie pas pour qui tu travailles! The verb oublier means to forget. So, oublie pas means don't forget. This is the imperative form of the verb because it's a command. And of course, it's good to be aware that technically it should be n'oublie pas. But the ne is often dropped in casual spoken French. Mais oublie pas pour qui tu travailles. Qu'est-ce que t'as dit? Je lui ai juste dit de pas oublier qu'il travaille pour toi. Tu crois pas qu'ils le savent déjà? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Que ce sont des pauvres cons? Tu crois pas qu'ils le savent déjà? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Que ce sont des pauvres cons? The phrase être en train de means to currently be doing. So it describes an ongoing action. It's more or less the equivalent of ing in English. For example, je suis en train de me brosser les dents. So in our scene, qu'est-ce que t'es en train de dire means what are you saying? Next, un pauvre con is a somewhat vulgar phrase that means a stupid idiot or a jerk. You'll also often see the term un con, meaning an idiot, on its own. By the way, if you're enjoying this video, please give it a like and don't forget to subscribe to the FluentU French channel for more videos. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Que ce sont des pauvres cons? Non, j'ai pas dit ça. Ok, alors t'as pas dit que ce sont des pauvres cons. Ben alors je comprends pas, donc tu dis que c'est moi le pauvre con. Ben alors je comprends pas. Donc t'es en train de dire que c'est moi le pauvre con. The word donc is a very useful transition word that means so or therefore. For example, j'avais faim, donc j'ai mangé. I was hungry, so I ate. In this case, Tuco is saying, well, then I don't understand. So you're saying that I'm the stupid idiot? Ben alors, je comprends pas. Donc tu dis que c'est moi le pauvre con. Non, non, Tuco, je dis juste... Non, t'es en train de parler à ma place! Non, t'es en train de parler à ma place. Once again, we have the phrase en train de here, which describes an ongoing action. So, t'es en train de parler is you're talking. Next, à ma place means for me, or literally, in my place. Non, t'es en train de parler à ma place! Comme si j'étais qu'un pauvre con et que je pouvais pas parler moi-même! Comme si j'étais qu'un pauvre con et que je pouvais pas parler moi-même. Comme si means as if, or like. So Tuco is saying that he's being treated as if he were a stupid idiot who couldn't speak for himself. Also, if you want to make sure that you remember all this new vocabulary, we've made a PDF vocab guide for this video, which you can download for free using the link in the description. Comme si j'étais qu'un pauvre con et que je pouvais pas parler moi-même! C'est ça? C'est ça que tu fais? Tuco! Tuco! Y a pas de quoi hurler, là. Un peu de calme. Il n'y a pas de quoi hurler là. Un peu de calme. Il n'y a pas de quoi means there's nothing to blank about. For example, you could say il n'y a pas de quoi être inquiet. There's nothing to be worried about. In this case, Walt is saying il n'y a pas de quoi hurler là. There's nothing to yell about here. Next, un peu de calme literally translates to a bit of calm. But in English, we'd be more likely to say something like, let's calm down, or take it easy. Un peu de calme? Heisenberg a dit du calme. Ok, ça va, c'est bon. Je suis super calme. Super calme. Je suis calme. Now it's time to watch the whole scene again without subtitles to see how much you've learned. Ah! Ouais, ouais, ouais!
Super. Ah, rose, jaune, bleu. Je m'en fous. Continue à m'apporter ça. Ah. Allez, vas-y. Qu'est-ce que je disais ? Ce mec, c'est un vrai cuistot. C'est cool. Toi aussi, t'es cool. Et on va se faire des masses de pognon, tous les deux. Mais oublie pas pour qui tu travailles. Qu'est-ce que t'as dit ? Je lui ai juste dit de pas oublier qu'il travaille pour toi. Tu crois pas qu'ils le savent déjà ? Qu'est-ce que t'es en train de dire ? Que ce sont des pauvres cons ? Non, j'ai pas dit ça. Ok, alors t'as pas dit que ce sont des pauvres cons. Mais alors je comprends pas, donc tu dis que c'est moi le pauvre con. Non, Toko, je dis juste... Non, t'es en train de parler à ma place ! Comme si j'étais qu'un pauvre con et que je pouvais pas parler moi-même ! C'est ça ? C'est ça que tu fais ? Toko ! Y a pas de quoi hurler, là. Un peu de calme ? Heisenberg a dit du calme. Ok, ça va, c'est bon. Je suis super calme. Super calme. Je suis calme. Our next movie scene is from the classic French comedy Intouchable. Check it out in this video right here to find out what happens when a quadriplegic billionaire hires a new personal assistant. And of course, to learn more French along the way. I'll see you over there. À tout de suite.